1944, les Alliés préparent le débarquement à grand renfort de bombardement. Premier visé, le réseau de chemin de fer. Une gare sur deux est détruite. Sur 17 000 locomotives avant la guerre, à peine 3 000 sont disponibles. Mais la SNCF n'est pas découragée. Dès janvier 1944, c'est-à-dire 6 mois avant le débarquement, une mission française prend contact avec les États-Unis en vue de l'achat de locomotives à vapeur. Et le 16 septembre, la commande de 1340 Mikado, semblable à 741 construite pour le Green Bay and Western, est arrêtée. Des machines simples, robustes, à simple expansion, économiques à construire et à entretenir, aptes à un usage intensif et surtout devant être livrées entre 1945 et 1947. C'est ainsi qu'est née la 141R. Et seule l'industrie américaine et canadienne était capable de relever ce défi technologique. Pour preuve, 6 mois après le lancement des études, le 30 juillet 1945, la première locomotive sort des ateliers de Lima, dans l'Ohio. Sur la chaudière, un drapeau français et très discret, le panneau Libération. Ce jour-là, débutait la saga des R qui allait durer un quart de siècle. La suite, c'est un tour de force technique comme seuls savent le faire les Américains. Rationalisation, simplification de la construction, avec par exemple un châssis en acier moulé d'une seule pièce équipé des blocs cylindres. L'assemblage ne demande que 4 jours. Ici, on produit 100 locomotives par mois, alors qu'à la même époque, au Creusot, dans le même temps, on ne produisait que 8 141B. Restait le point délicat de l'opération 141R, l'acheminement des 1340 ensemble de 145 tonnes. Avec les pièces de rechange, c'est donc plus de 200 000 tonnes qui devaient traverser l'Atlantique en un temps record. Ce sont des navires norvégiens de la série Bell, comme le Bell Pama et le Bell Pareil, qui transportent à chaque voyage une vingtaine de locomotives. Et le 17 novembre 1945, la première 141R prend contact avec les rails français au port de Marseille. En plus de Marseille, Cherbourg, Saint-Nazaire et Le Havre vont accueillir les belles américaines qui, sitôt débarquées, effectuent leur premier tour de chauffe. Pas question de traîner, la SNCF manque cruellement de moyens de traction. Ce fut l'Est et le dépôt de Chaumont qui fut doté des premières R pour acheminer les lourds trains de charbon et de minerais de fer. Ensuite, on les vit rouler sur le Nord et le Sud-Est. En raison de leur coup de collier légendaire, de leur aptitude aux accélérations, les R furent mises à toutes les sauces. Rien ne leur faisait peur, surtout pas les 2000 tonnes des trains de marchandises arrachés à coups d'échappement et parfois en double traction. Un spectacle inoubliable et surtout ces coups d'échappement que l'on entendait à plusieurs kilomètres à la ronde et qui projetaient en l'air, à grande hauteur, un panache noir qui trahissait le côté glouton de la machine. Ce sifflet made in USA qui faisait dire aux cheminots, sans lever la tête, que c'était bel et bien une R. Thank you.
Leur aptitude aux vives accélérations les amène à tirer des express lourds de 750 tonnes à près de 100 km par heure. Bref, les airs sont partout. Et durant 10 ans, de 1945 à 1955, elles assurent jusqu'à 80% du trafic. En un mot, les R ont sauvé le chemin de fer français au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les équipes de conduite, les R furent au départ déconcertantes. Pour la première fois, ils avaient en effet une machine simple à conduire, confortable, pas capricieuse, et surtout conçue pour être conduite en banalité, c'est-à-dire avec des équipes qui se relaient. Une révélation dans la tradition française qui voulait que des machines soient perfectionnées et conduites en finesse par des équipes titulaires et donc effectuant un kilométrage journalier limité. Oui, avec les R, c'est une nouvelle manière de gérer le chemin de fer qui commence. Mais peu à peu, face à l'extension de l'électrification, les belles américaines voient leur domaine se restreindre. À noter que ces machines n'ont jamais fait l'objet de soins attentifs de la part des équipes de conduite. Elles étaient souvent sales, couvertes de suie, bref, des bêtes de somme. À partir des années 60, bon nombre de R vont être remisés en attente de réparation. C'est déjà le début de la fin. En 1964, les R doivent affronter une nouvelle concurrence, celle des diesels de ligne 67 et 68 000. Elles résisteront jusqu'en 1971. Et curieusement, les R ont été les dernières vapeurs en service à la SNCF. La dernière R en service commercial a été la R420 entre Béningue et Sarreguemines le 29 mai 1974. Mais savourons ces derniers instants de la vapeur avec ces coups d'échappement qui ne résonneront plus dans nos campagnes. Ingratitude des hommes devant celles qui resteront à jamais les R. Elles attendent, ici, immobiles leur mort. Ce ne sont plus des locomotives, ce sont déjà des fantômes. Images
terrible. Pas une n'en réchappera. Toutes périrent sous la morsure des chalumeaux. Des 1340 R, il ne restera qu'un tas de ferraille. Bien peu échapperont au massacre. Et pourtant, une dizaine d'entre elles ont été sauvées par une poignée d'amoureux de la R. L'une de ces miraculées, la voici à Clermont-Ferrand il y a quelques années. C'est la R420, sauvée de la destruction par une association. La R420, c'est tout à la fois une mémoire vivante et un symbole, puisqu'elle a été la dernière machine à vapeur en service à la SNCF. Et après plusieurs années de remise en état, elle reprend aujourd'hui du service choyé, dorloté, graissé, caressé par les mains de celui qui va la conduire. On retrouve ici les gestes qui firent les grandes heures de la traction à vapeur. Le mécanicien est un passionné de vapeur, mais son véritable métier est commandant de bord de 747. Le Bernard Descamps, commandant de bord 747, le commandant de la 141R, ces choses sont bien séparées. C'est bien séparé, oui, mais enfin on retrouve un peu les mêmes principes. Quelquefois, bon, on roule manche-mal-fer dans l'aviation, c'est-à-dire une certaine rigueur dans le travail, un système parfaitement rodé au niveau ici pour la SNCF, nous Air France. C'est un peu le même genre de climat de travail, et bon, moi j'ai quitté très bien, là, c'est un peu plus fatigant de temps en temps pour nous. Là. Et s'il n'y avait pas eu les 747, vous auriez été cheminot. Hein. C'est possible, mais ça, bon, je ne peux pas le dire. Hein. Le destin des gens, c'est très difficile. Hein. C'est possible, oui. Alors vous faites ça quoi, les week-ends dans les périodes de repos? Vous jouez au train? Je joue au train, on ne peut pas dire qu'on joue tellement, parce que bon, c'est quand même juste. Ouais. Il faut que j'aille faire les quais de train. Hein, on en reparlera. Ce jour-là, la R devait assurer un train croisière, le Vincent Van Gogh, un périple de 3 jours entre Clermont, Arles, Miramas et Lyon. Ambiance vapeur garantie. Un peu sourd, ouais, d'accord.
bien regarder les manomètres et puis bien doser le charbon et les jets de vapeur. Et le Bernard Décor, là, c'est un autre homme, là. Ah oui, oui. Bernard, il fait partie du musée de la vapeur, lui aussi. Il est comme moi. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis retraité SNCF. Et j'étais mécanicien de route. Avant, enfin, je connais la machine, la 141ER, depuis 63. Et celle-ci, je la conduis depuis 80. Je suis mécanicien à l'association. Et alors, le mécanicien devient le chauffeur du commandant de l'Air France. Voilà. Oui, mais là, dans l'équipe, je suis responsable de... Parce que, comme j'ai mieux de pratique qu'eux, je leur fais voir des fois qu'ils font des bêtises au point ou à la chauffe. Parce que moi, je conduis et je chauffe en même temps. Je peux faire les deux. Bernard Descamps, c'est un bon. Ah oui, oui, très très bon. Oui, oui, c'est un bon mécanicien. Des fois, il traîne un petit peu parce qu'il passe à son avion. Enfin, il va pas trop mal. Bon, c'est un peu la récompense parce que c'est pas mal de travail de préparation. Et la route, pour ma foi, c'est un peu la récompense de tout le travail qu'on fait, hein, c'est sûr. Finalement, est-ce que... Qu'est-ce que vous préférez, le 747 ou la 141R? Je ne peux pas dire parce que j'aime bien les deux, enfin, j'aime bien mon métier, mon métier. On est en retard, hein? Oui, on est en retard. Mais à l'air aussi, bien sûr. Mais là, il y a des contraintes horaires. Oui. Là, il y a pas d'horaire, oui. On commence à rouler au début, on roule doucement pour adapter la machine, et après on peut le dire un peu plus fort. C'est difficile à conduire. Il y a pas mal de choses à faire en même temps, c'est un peu pour les avions en fait. Il faut surveiller beaucoup de choses en même temps, et ça nécessite une habitude quand même. Attention aux accrocheurs. À chaque fois que vous faites 30 km, c'est l'inspection. Non, à chaque arrêt. Par principe, chaque fois qu'on peut s'arrêter, chaque fois qu'on s'arrête, on essaie de faire un tour de la machine. Quand il n'y a pas d'arrêt, bien sûr, on roule. Enfin, on est, nous, dans nos marches, on essaie d'avoir le plus souvent possible sur le parcours des temps d'arrêt à certaines gares, au bout d'une heure, par exemple, de quelques minutes qui nous permettent de faire le tour, de recompléter éventuellement les restages des bielles, etc. Parce que la machine ne sort pas très, très souvent. Ah, ça va être le départ, peut-être. Est-ce que c'est un bon mécanicien, le commandant de la France? Oui, oui, très bien. Il a été bien dressé et maintenant, bien, on arrive à faire quelque chose de... Les instructeurs sont fiers de leur travail, voilà.
Fort heureusement, la R420 n'est pas la seule survivante des belles américaines. Près d'une dizaine de machines continuent encore à écrire les belles pages de l'histoire de notre patrimoine ferroviaire. Il y a des machines qui n'ont pas connu la gloire des 241P, mais qui ont accompli sans rechigner leur travail durant un demi-siècle, aussi bien en tête des trains express que des trains de marchandises. Des machines d'ailleurs souvent négligées par leur personnel de conduite. Bref, des machines de la France profonde, des bonnes à tout faire. Des besogneuses comme cette 230G, taillable et corvéable à merci. Peut-être est-ce un signe des temps ? Mais cette 230G a été sauvée de la ferraille et est inscrite au patrimoine national. Elle attend simplement d'être restaurée. Indispensable dans les dépôts et les gares de triage, cette machine de manœuvre, humble serviteuse, cette 040TA. Il y a également celles qui ont accompli tous les jours des performances sur les dures lignes de montagne, comme cette 141TA du Massif Central, surnommée cul-de-bateau en raison de la forme de son tender. 1500 tonnes en palier à 70 à l'heure ne lui font pas peur, pas plus que des rampes à 25 pour 1000. Ce ne furent pas les meilleures pacifiques, mais elles ont roulé le plus longtemps, les très élégantes 231 du PLM. Les dernières de la série, les 231K, ont assuré le dernier train à vapeur de la SNCF sur Paris-Calais et Paris-Bâle. A noter que ces machines sont le fruit d'une longue évolution des Pacifiques de 1909 à 1932 et furent construites à 462 exemplaires, un record. L'une d'elles a été préservée, la 231K8. Symbole du renouveau du chemin de fer après la guerre, la belle 141P, peut-être la plus réussie de toutes les locomotives à vapeur de la SNCF. Une machine universelle, construite à 318 exemplaires et dotée des dernières améliorations. Il faut reconnaître qu'elles ont contribué à la remise en marche du réseau national après la guerre. Leur puissance de 3000 chevaux leur a permis de tirer tous les trains. Mais hélas, limitées par le diamètre de leurs roues à 110 à l'heure, elles n'auront pas connu l'ivresse des rapides de prestige. Et
également symbole du renouveau de la SNCF, les 35-241P, des machines de près de 4000 chevaux pour les rapides lourds. Prévues au départ pour la Terre, PLM, Paris-Lyon-Marseille, elles ont été peu à peu repoussées sur toutes les lignes de la SNCF en raison des progrès de l'électrification. Les P furent les dernières compounds construites en France. Peut-être la plus belle et la plus élégante de toutes, à 232 U du Nord, due à l'ingénieur De Cazot. Elles furent construites à 4 exemplaires, en 1949 par Courpet-Louvet. Des engins de 3000 chevaux, aptes à 140 km par heure. Mais hélas, elles ont marqué le champ du cygne de la vapeur. Dommage qu'on n'en ait pas conservé une en état de marche. Ces belles machines n'ont eu qu'un tort, être nées trop tard au moment où la vapeur était condamnée en raison du prix du charbon. Mais goûtons notre plaisir. Et regardons démarrer cette belle mécanique. Autre belle machine due au talent d'André Chaplon, la 242A1, un prototype de 5000 chevaux, construite en 1946. Elle résulte de la transformation, en l'améliorant encore, d'une 241A. Compound, mais à 3 cylindres, elles sont restées les vapeurs les plus puissantes d'Europe. Capable de rouler à 150 km par heure et de tirer des trains de 1000 tonnes à 110 à l'heure, elle devait prendre la place des diesels. Hélas, la 242A1 ne survivra pas à la mise à la retraite en 1953 d'André Chaplon et elle fut démolie discrètement en 1957. Enfin, goûtons encore notre plaisir avec de beaux panaches et de formidables coups d'échappement légendaires avec les belles américaines, les 141R, ici, sur la ligne des Alpes, entre Grenoble et Gap. Je vais la laisser jusqu'à 15 bornes. Et là, je rallume de l'eau que je remets dans la chaudière. Alors,
Et là, j'ai envoyé les jets de vapeur pour écarter tous les fioul dans la chaudière. Et j'attends qu'elle monte tranquillement avant de partir. Donc le mécanicien desserre le frein de la locomotive et ouvre le régulateur pour admettre la vapeur dans les pistons. Et la locomotive se met en mouvement progressivement. Le mécanicien ferme les purgeurs de la locomotive, qui, comme leur nom l'indique, servent à purger les cylindres de frein de l'eau qui pourrait s'y trouver lors de la phase de démarrage. Le chauffeur augmente progressivement le débit de fioul qui alimente le foyer, puisque durant cette phase, la production de vapeur est très importante. Ça marche. Le mécanicien remonte progressivement la marche pour permettre au train de gagner en vitesse. Donc le mécanicien a un rôle extrêmement important dans la conduite du train, puisque c'est lui qui est le responsable de la conduite du train. La chaudière doit être suffisamment alimentée en eau pendant toute la durée de la circulation du train. La vitesse du train est maintenant de 85 km/h, comme indiqué à l'enregistreur. Le chauffeur vient de confirmer au mécanicien l'indication d'un signal ouvert, donc voie libre. L'opération de ramonage en remplissant un entonnoir de sable que l'on va ensuite projeter dans la chaudière. Donc le mécanicien a rencontré un signal jaune qui signifie avertissement, qui indique que le signal suivant peut être fermé. Donc il a procédé au freinage énergique de son train afin de casser sa vitesse et être prêt à s'arrêter le cas échéant au signal qui pourrait être fermé. Divers manomètres pour surveiller le bon fonctionnement de la locomotive. En haut à droite se trouve le manomètre qui indique la pression de vapeur dans la chaudière, qui est placé immédiatement à gauche du tube à niveau qui indique le niveau de l'eau dans la chaudière. Il a ensuite en position inférieure à droite le manomètre qui indique la pression de vapeur dans les cylindres. Comme nous le trouvons en phase de ralentissement, il n'y a donc pas de vapeur ou très peu de vapeur dans les cylindres, ce
qui explique la position de l'aiguille à zéro. En bas à gauche se trouve le manomètre qui indique la pression d'air comprimé dans les réservoirs principaux qui servent à alimenter la conduite de frein du train, puisque tous les trains sont freinés à l'air comprimé. Et donc pour cela, il est installé sur la locomotive un compresseur d'air qui alimente des réservoirs principaux. Le manomètre en position centrale correspond à la pression d'alimentation de la conduite générale. Le mécanicien procède actuellement à une opération de freinage en effectuant une dépression dans la conduite générale. Donc le mécanicien a poussé la marche à fond en avant, a desserré le train et ouvre progressivement le régulateur pour recommencer une phase de montée en vitesse. Le chauffeur procède de même à son niveau en augmentant le débit de fuel au foyer, au brûleur, que la phase de démarrage est une phase très consommatrice en termes de vapeur. Normalement, on fait 44 et moi j'ai 43. J'avance de 2 minutes. On a 1 minute d'avance. On va t'arrêter en pleine voie, 1 minute, oui. On va voir pas. Allez, par avant. Le ramelage, c'est bon, il n'y a plus de toi. Non, là. Il va trop vite, ton père. On a 5 minutes d'avance. Et apparemment, on a passé la gare de Creil sans s'en rendre compte. Ah, la famille Brochet, c'est son fiston au mécanicien. Voilà. À la vie sud ouvert, et voilà. Cette machine-là, c'est d'habitude, d'abord, c'est un directeur régulateur à fond ouvert qui traîne d'abord et après qui le retient tout. Vous savez où elle est, la borne incendie au niveau du P3? Non. Bon, ben, je vais vous montrer quand on va passer. On coupe la loque. Tiens, alors le P3. Après, il poste 1. Alors P1, ouais. Machine, bon, elle te parle. Hein, tout à la cuisine, elle te dit donne-moi à manger, donne-moi à boire. Et c'est vrai que c'est fabuleux de conduire ces machines-là. Je pense que les anciens d'avant, ils étaient contents que, comme nous, de conduire ces machines-là. Il faut avoir les yeux partout. Hein. Il faut avoir les yeux sur les signaux, sur les manomètres, avec le chauffeur aussi, pour voir si tout va bien, les signes. Et voilà, il faut avoir les yeux partout en fait. On n'a pas que les yeux derrière la tête, mais non, mais presque. Ah, tout est, c'est vrai que je vivre avec la machine, c'est vrai que, c'est, moi je peux vous dire, c'est vraiment heureux d'être sur une machine à vapeur, c'est vrai.